Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une recette de cuisine à base d'aiguillettes de canard. Alors je vais faire mes aiguillettes de canard au miel. Alors c'est une recette, alors là, le plus simple possible, il n'y a pas. Voilà. Alors pour cela, j'ai 290 g d'aiguillettes de canard du sud-ouest, bien sûr. Je ne suis pas chauvin. Parce que je suis du sud-ouest, mais voilà, elles sont du sud-ouest. L'équivalent d'un oignon, il nous faudra du miel, de l'huile d'olive très peu, du sel, du poivre et des herbes de Provence. Alors, cette recette, je vais la... Alors déjà, je vais allumer, voilà. Alors cette recette, je vais l'accompagner avec ma purée de butternote. Vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir. C'est une vidéo que j'ai fait précédemment. Voilà. Ça vous donnera une idée. Alors, l'intitulé de la vidéo précédente, c'est « Entre mer et terre ». Voilà. Et je vous fais voir comment on fait une purée que moi, je l'ai détournée en verrine pour mon assiette de Noël. Voilà. Alors, on fait revenir... nos aiguillettes. J'essaye de pas trop me brûler. Hop. Alors, c'est une recette de cuisine pour 4 personnes. Voilà. On sale, on poivre et on met nos herbes de Provence. Là, et on retourne nos aiguillettes. Alors je vais baisser le feu, celle-là on va la laisser. Après, c'est à vous de choisir la cuisson que vous voulez, saignante, à point ou bien cuite. Voilà. Là, je commence à sortir celle du milieu.
N'hésitez pas à les retourner. Là. Ensuite, on prend nos oignons et on va les faire transpirer. Alors, vous avez remarqué que je n'ai pas jeté l'huile de mes aiguillettes. J'essaye de récupérer au maximum, de racler le fond pour récupérer les sucs. Voilà. Voilà, encore une ou deux minutes et ça devrait aller. Là. Ensuite, on prend notre miel et on va baisser le feu à 5 et on va mettre l'équivalent de 2-3 cuillères d'huile de miel. Voilà. Là. Et on remue. Ça va caraméliser nos oignons. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Mais ça commence à se faire, le caramel. Là, et on rajoute nos aiguillettes de canard avec le jus. Là. On remue. Voilà. On fait mijoter à feu doux, par contre. N'oubliez pas de baisser votre feu pour pas que votre miel caramel se crame. Ça serait dommage puisque la vidéo, la recette est presque terminée. Voilà, on éteint et voilà. Voilà ce que ça donne une fois fini. Et bien, quant à moi, la vidéo est terminée. On se retrouve pour une prochaine.
Alors, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais l'accompagner avec une purée de butternote carotte. Pardon. Je vous invite à aller la visionner si vous ne l'avez pas vue. Ça vous donnera une idée d'une entrée pour Noël. Quant à moi, je vous dis merci déjà pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je remercie aussi les personnes qui vont s'abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de liker, partager, voilà, et de vous abonner parce que ça fait énormément plaisir, ça me motive à continuer. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!